Parlez-nous un peu de votre rapport au football. Vous avez été joueuse, racontez-nous. J'ai fait du foot en salle pendant 10 ans. J'étais gardien de but. Quand j'ai rencontré Elisa, on jouait pour le club de Foch. Elle était gardienne, maillot numéro 1. Moi, j'étais la buteuse, numéro 10. Elle jouait très bien, une excellente gardienne. Elle avait tout pour faire une carrière internationale. C'était une fille très passionnée. Elisa était gardienne de but, très forte. C'était un garçon manqué. Elle portait toujours de longs shorts, des t-shirts trop grands et un ballon sous le bras. Elle se faisait une queue de cheval et allait jouer au foot dans la rue. C'était une défenseuse courageuse. Elle sortait les bras grands ouverts, sans peur de recevoir un coup au visage. Une gardienne fantastique.